Tadia, bienvenue les maniaques du chinois. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment se présenter en chinois et comment demander à la personne avec qui nous sommes en train de parler quel est son prénom. C'est-à-dire, je m'appelle Rosie et toi, comment tu t'appelles? Et donc, nous voyons ça tout de suite. N'oubliez pas le PDF de cette vidéo. Vous l'aurez dans la barre de description. Comme je le dis toujours, la répétition est le meilleur des maîtres. Meilleur des professeurs, je sais pas comment on dit, dites-moi dans les commentaires, mais vous pourrez l'avoir partout où vous serez, et donc c'est ça quoi, c'est vraiment important, et je vous dis à tout de suite. Je disais aujourd'hui, nous allons apprendre comment se présenter en chinois. En fait, pour ce faire, nous allons utiliser une petite conversation, un petit texte que, en fait, vous pourriez répéter automatiquement, en fait, lors d'une conversation avec un chinois, et donc c'est Ni hao, ni hao, bonjour. En fait, j'ai mis les pinyin pour ceux qui aiment les pinyin, les caractères et la traduction, pour ceux qui aiment les caractères et la traduction, en fait, tout simplement. Je reprends. Ni hao, ni hao. Ni jiao, shenme mingzi? Ni jiao, shenme mingzi? Jiao, ici, est utilisé, c'est le verbe appeler. Ni jiao shenme mingzi? Mingzi ici, c'est le nom. Le nom. Ni tu jiao shenme quoi mingzi? Non, mais comment on ne peut pas dire toi t'appeler comment? Toi, non. C'est quoi? En fait, on utilise, en fait, on utilise simplement, en fait, la logique, en fait, la logique française. Quel est ton nom ou comment tu t'appelles? Ni jiao shenme mingzi? La personne a répondu: Wo jiao Luolina. En fait, Luolina, c'est mon nom chinois. Wo jiao Luolina. Nina ici est utilisé en fait pour dire et toi? Et toi? Et ensuite, la personne répond: Wo jiao Jiang. Jiang ici, c'est un nom chinois, beaucoup utilisé en Chine, bon, pas utilisé, que beaucoup de personnes en Chine ont. En fait, beaucoup de Chinois portent. Tu peux avoir dans une même salle 15 personnes, 20 personnes qui s'appellent Jiang. Et à la fin, Zaijian, Zaijian. Là, j'ai vraiment fait une conversation, un texte basique. Et donc, tu vas répéter maintenant après moi. Ni hao. La personne va répondre. Ni hao. Ni jiao shenme mingzi? Comment tu t'appelles? Wo jiao Luolina. Nina? Je m'appelle Luolina. Et toi? Wo jiao Zhang. Zaijian, Zaijian. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un like. N'oublie surtout pas de télécharger le PDF de la vidéo. Il est vraiment important si tu veux vraiment étudier la langue chinoise et progresser. Tu l'auras tout le temps. Il sera à ta disposition. Tu pourras facilement étudier le chinois. C'est vraiment important. N'oublie pas de souscrire. N'oublie pas de t'abonner, de mettre tes questions en commentaire. Et puis je te dis, zaijian.